Alors, tu as quand même cliqué? Le mot mourir ne te fait pas peur? Pourtant, tu risques fort d'y rester. Tu dois te demander pourquoi? Parce que cette playlist charbonne tellement que tu vas crever, mec! Bah ouais, hein! Tarbo! Salut tout le monde, c'est McBee! Riez, riez les amis, riez! Je ne plaisante pas! Bon, ok, je veux encore bien l'avouer, j'ai fait cette intro bidon pour être dans le thème Halloween. Mais ça reste vrai malgré tout. Voilà, tu vois, je vais te présenter mes 10 musiques du moment, ok? Tu vas essayer de ne pas mourir pendant que je vais te les présenter. Matcha, pardon! Elles sont tellement charbonnantes, mon vieux! Limite, un coup de tronçonneuse dans les rotules, c'est une caresse à côté. Ah, mais truc de fou, hein. Avant de vous présenter la playlist, je tiens à dire quand même que, pour des raisons de variété, j'ai décidé de faire une playlist hétérogène. Hétérogène dans le sens où il va y avoir de tout, il y en aura pour tout le monde. J'ai fait ça un peu parce que j'ai envie que la playlist plaise à tout le monde. Et en même temps, pour ceux qui le savent ou peut-être ceux qui le savent pas, j'écoute absolument de tout. Dès l'instant où c'est de la musique électronique, je suis en possibilité, en capacité d'écouter. Parce que je suis un grand fan de la musique électronique traditionnelle. Voilà. Commençons par la toute première musique qui en fait est plutôt cool, plutôt chill. Voilà, pour débuter, faut pas trop se brusquer non plus. Il s'agit de Martin Garrix et Pierce Felton, Waiting for Tomorrow. C'est un véritable exercice de mémoire et de prononciation. C'est incroyable. Pourquoi cette musique est un fucking velours joueur? La mélodie est tellement charbonnante, c'est incroyable. Je peux même vous dire qu'au début de ma chaîne YouTube, je me suis amusé à faire un remake de Waiting for Tomorrow. Ceux qui étaient là à l'époque, vous vous en rappelez certainement. Je vous mettrai une fiche là ou là, je sais jamais de quel côté ça va. À l'époque, Martin Garrix l'avait joué plusieurs fois dans des concerts, dans des soirées, et je l'avais trouvé bien et je me suis dit, vas-y, je fais un remake. Quasiment peut-être 2 ans plus tard, elle sort seulement, quoi. Et je l'aime toujours autant. Vraiment très très fort. Counting down to the light, through the night, just waiting for tomorrow. Restons dans la musique progressive, voilà, les belles mélodies, la dance, qui est joyeuse, qui est belle à écouter, avec un petit bijou de Sick Individuals, mais véritablement un bijou. Je vous jure, la voix, en fait, elle transporte vraiment. Elle a en capacité de te faire grimper au rideau, je te promets, hein. Et tu combines ça avec une mélodie, voilà, qui donne le smile, qui fait péter des câbles, voilà, tout ce que j'aime, ça charbonne, clairement. On enchaîne avec un duo néerlandais que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. Ils sont un peu les maîtres de la big room. Et ils essayent à travers cette musique de nous inculquer une culture débile. Une culture débile! C'est le titre! Ils sont connus, voilà, pour faire des gros kicks charbonnants. Hein, on a beau être dans la big room, leurs kicks sont très très charbonnants. Avec ça, des mélodies joyeuses, des drops entraînants à faire remuer les foules. Faites une jolie acclamation à WW avec Rave Culture. Voilà pour ce qui est des musiques dance. Voilà, mes musiques dance du moment sont celles-là. Maintenant, on va passer de l'autre côté du mur. Hein, t'as le mur. On était dans le côté dance et là, hop, on passe de l'autre côté dans le côté hard dance. Et d'ailleurs, vous êtes pas encore mort? Ah, mais t'inquiète. Et là, je suis sûr qu'il y a des petits intellos, ils doivent se dire, eh ben mec, on a regardé ta playlist. Ouais, on est toujours pas mort. Mais c'est normal que vous soyez pas mort. Pas là, au bout de 3 musiques, vous allez pas mourir. Mais t'inquiète pas, frère, ça va venir. T'es pas prêt là, ce qui suit derrière. Pour débuter l'hard dance dans cette playlist, j'ai choisi de vous présenter un morceau charbonnant à souhait. Je l'écoute plus d'une dizaine de fois par jour et cette musique a été faite par en fait 3 personnes que j'affectionne tout particulièrement. Alors il y a un monsieur, il a un chapeau, des lunettes et une trompette, et les 2 autres, c'est 2 genoux plutôt mignons connus sous le nom de Sub-Zero Project. La rime, elle est gratuite là. Trompette Project. Vous l'avez compris, il s'agit de Rockstar. Ce morceau est juste fabuleux, selon moi. Le côté break avec du rock, mais véritablement du rock, de la grosse guitare électrique, c'est génial. Et un petit build-up, et là, gros gros kick charbonnant à la Sub-Zero Project. Ils ont littéralement tué Spinning Record. J'ai checké les commentaires, et il y a des gens qui disent, je déteste le hardstyle, mais cette musique me rend fou, j'adore. Et alors ça, c'est bon ça. Les mecs, ils n'aiment pas le hardstyle, mais ils kiffent les kicks à la Sub-Zero Project. Les mecs, vous êtes morts, vous êtes finis. Vous allez devenir des gros camés de hardstyle. C'est pas possible que tu aimes les kicks de Sub-Zero Project et que tu dises « Moi, je déteste le hardstyle ». À la limite, ok, tu vas détester le hardstyle, mais tu vas aller partir dans l'euro, dans le hardcore. Le pauvre, quand j'ai eu son commentaire, j'ai fait « Ah, toi, tu sais pas ce qui va t'arriver ». »
Passons maintenant à une musique beaucoup moins connue, beaucoup moins populaire. Et personnellement, je comprends pas pourquoi elle est si peu populaire, alors que la musique est sortie chez Scantrax, qui est quand même une bonne grosse maison de disques, tu vois. Mélodie et leads sont au top du top, hein, ça frôle la perfection, c'est professionnel comme tous les gros caïds nous le feraient. Un kick bien cracra, bien badass, qui vient tout niquer. Merci d'accueillir Hypnose et Rétrospect. Alors pour le titre, par contre, je vais vous le lire. Reawaken Your Soul. Reawaken your soul. Prochaine musique, toujours et encore nos amis Sub-Zero Project. Il s'agit de The Game Center, l'anthème officiel du Climax 2018. C'est un énorme morceau de la part de nos amis néerlandais. Ça charbonne du début à la fin. Et sincèrement, je vais vous dire, ils méritent clairement ce qui leur arrive. Là, depuis quelques temps, ils montent en puissance, on les voit partout, collab avec Timmy, machin et tout. Mais ils le méritent tellement, ces mecs-là. Ils ont un peu révolutionné le raw hardstyle, tu vois, ce qu'on appellerait l'euphorique raw style, entre guillemets. Ils ont une qualité de production, c'est incroyable. Ils créent une nouvelle mode. Tu vois, ils créent une nouvelle mode de production, une nouvelle façon de créer de la musique. Leur jeu de kick et tout ça, ça commence à devenir un peu populaire. Quand on écoute les petits artistes, ils s'en inspirent, etc. Donc ça devient, ils deviennent véritablement des modèles pour tout le monde. En fait, pour faire simple, c'est la relève. Voilà, quand les caïds y seront morts, et ben c'est bon, on peut dormir tranquille. Le harcèle ne mourira pas, nous avons des petites pépites comme ces jeunes gens qui sont charbonnants à souhait. Bon allez, ferme ta gueule, Germain, présente ta playlist là. Sinon les gens vont finir par mourir parce que tu parles trop. Climax. On reste dans le charbonnage de masse, et là on parle vraiment d'un morceau novateur selon moi. Novateur dans le sens où en fait il fait des breaks littéralement neufs que personne ne fait. C'est totalement non conventionnel. C'est à dire que la convention veut que voilà, tu fais un petit break, des plugs, des pads, machin, paf, tu tapes la mélodie, build up une voix, paf, le climax. Et bah lui pas du tout. Il s'en bat les steaks. Le passage mélo dans le break, c'est quoi ça le passage mélo? Il en met pas, il s'en bat les steaks. Il fait sa musique comme il a envie, et franchement c'est du caviar, moi j'adore. Limite quand t'écoutes la première fois tu te dis non, moi je voulais un passage mélo et tout. Mais après quand tu réfléchis tu te dis ouais mais lui il fait pas comme tout le monde, tu vois, il veut être original et tout. Et là tu fais ah ouais le génie. En plus de ça, à quasiment chaque musique il crée des nouveaux kicks, hein, clairement. Moi je le suis sur Insta et je regarde dans ses stories, il crée lui-même ses kicks quoi, avec ses roms, allez bam bam bam. Et limite il en fait des nouveaux pour chaque musique, donc c'est un travail de titan, c'est littéralement colossal. Ses kicks en plus de ça charbonnent à un point c'est inespéré clairement. Pour moi ce type là est clairement au même niveau que Sub-Zero Project, au niveau de revisiter des kicks et de faire des kicks novateurs et qui charbonnent. Pour moi ils sont face to face. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Hard Driver Exterminate. Exterminate. Je sais pas si vous avez remarqué, mais plus la playlist avance, plus on monte crescendo là. Je vous avais prévenu, vous allez crever. Continuons un petit peu encore plus dans l'obscurité de la hard dance. C'est-à-dire que nous avions le mur, nous avions dance, hard dance. Et en fait, plus t'avances dans le côté hard dance, plus tu vas dans le côté un peu obscur. On est clairement dans le thème d'Halloween. Donc on rentre dans cette obscurité avec un morceau tout droit sorti d'un nouvel album qui s'appelle The Extreme, qui est en fait une collaboration charbonnante entre Malice et Luminite. La musique s'appelle Death Destruction, et c'est vraiment pas des blagues, c'est une destruction cette musique. Moi je suis carrément tombé amoureux, j'ai quasiment écouté la majeure partie de l'album de Malice, il y en a peut-être 3-4 que j'ai pas écouté. C'est de la grosse pépite, mais alors cette musique je la surkiffe parce que je suis littéralement tombé amoureux des kicks. Et la voix aussi, Death Destruction. Enfin voilà, regardez. Avant-dernière musique, hein, de cette playlist complètement mortelle. Il est jeune, il est talentueux et en plus il est beau gosse, il paraît toutes les nanas en raffolent. Son père, c'est un type, tu vois, avec un chapeau, hein. Il est souvent en costume quand il mixe en soirée, il a déjà fait des voyages en Irlande ou en Mongolie. Il s'agit bien évidemment de Sepha, Sepha, encore Sepha. In de Hummel, c'est le titre de la musique, hein, je plaisante pas. La mélodie m'a littéralement fait fondre, c'est clairement ça en fait. Autant le rythme est très rapide, etc. Ça, des fois j'ai un peu de mal, mais juste la mélodie, t'écoutes la mélodie, c'est bon. T'aimes la musique, frère. On termine
termine cette playlist avec un anthème. Un anthème qui claque des culs. Alors, ce que j'aime dans cette musique, c'est clairement que ça part dans tous les sens. Ça enchaîne, il y a un kick, puis un autre, et puis bah 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 bah. C'est vraiment le truc qui t'achève. Fin de soirée, 2-3 heures du matin, t'as plusieurs canons dans le ciboulot. T'entends ça, et bah ça y est, tu te laisses vivre. C'est vrai que c'est pas trop une tête de vivre, ça, quand même. Faites un maximum de bruit pour Envy Troll avec The Waller. Eh bien écoutez, jeunes gens, c'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes véritablement des charbonneurs en fait, parce que vous n'êtes pas morts. Essayez de ne pas mourir, vous avez réussi. Je le dis pas souvent, mais là je vais le dire. N'hésitez pas à charbonner les pouces bleus si vous avez aimé cette playlist. Et si vous avez aimé un peu ce style de vidéo, voilà, je fais une petite intro à la con et tout ça, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à charbonner les pouces bleus, comme ça moi s'il y a beaucoup de pouces bleus, j'arrive à en déduire que vous aimez un petit peu beaucoup. Et si on n'a pas trop, bah je me dirais que je vais arrêter parce que vous aimez pas trop. Vous pouvez m'écrire en commentaire c'est quoi vos musiques du moment, vos playlists du moment, voilà, vous pouvez me faire comme moi, vous partez d'une musique plutôt calme, plutôt douce, et plus ça va, plus vous avancez dans le charbonnage. Je vous fais plein de gros bisous, et on se dit à plus dans le bisou.